La sauvegarde de la langue Hamea a été initiée par les coutumiers et la population du district de Kawipa en partenariat avec le conseil coutumier de l'Air Hanachu. Cette langue est parlée dans le village de Kouawa, dans les vallées et même sur la commune de Mwendou, à la tribu de Katrikouin. Aujourd'hui, on ne compte pas moins de 472 locuteurs et depuis peu, ce nombre régresse. On dit le Hamea, c'est la langue de Mea. La langue de Mea. À la tribu de Mea aujourd'hui, on parle de Hadjé. Je compterai sur le doigt d'une main le nombre de personnes qui parlent le Hamea aujourd'hui. Le Hamea aujourd'hui à Mea. C'est ça qui nous interpelle déjà. Voilà. Et par la suite, après, bon, dans nos familles, dans nos maisons, on a toujours tendance à utiliser le français ou à utiliser la langue maternelle, soit le Hadjé, soit le Hanachu. Cette convention implique plusieurs partenaires tels que l'Académie des langues Kanak, le Conseil coutumier de l'Air Hanachu, le gouvernement, la mairie de Kouawa, mais aussi des partenaires privés tels que la SLN et la NMC. Pour Alcide Ponga, maire de la commune de Kouawa, cette signature est la première pierre qu'il pose pour entamer des projets sur la sauvegarde de cette langue. Il y aura certainement d'autres choses derrière et donc on est déjà à la réflexion sur l'après. Comment est-ce que le Hamea peut être travaillé à l'école, comment est-ce qu'elle peut être travaillée dans nos institutions, comment est-ce qu'on peut le parler quand on se rencontre dans le village, parce que c'est quelque chose de très très important. Même moi j'ai des difficultés à le parler avec mes enfants, il faut qu'on arrive à trouver des solutions ou des outils qui nous aident à pouvoir se réimprégner de la langue Hamea. La signature d'une convention avec plusieurs partenaires, notamment avec les mines, c'est une première pour l'Académie des langues Kanak. C'est important que des gens eux-mêmes soient, je dirais, entrepreneurs, soient à l'initiative de la sauvegarde de la langue. Et ça, on ne peut pas. La sauvegarde d'une langue maternelle, ce n'est pas uniquement l'affaire de l'académie, c'est un petit peu l'affaire des papas, des mamans, des vieux, du conseiller. Et je crois que ce que nous venons de faire, c'est une parfaite, un parfait exemple de la sauvegarde des langues où, effectivement, on doit conjuguer nos efforts pour ça. Un partenariat réussi pour le pays Hanachu et qui pourrait être reconduit dans les années futures.